Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors elle a plusieurs thèmes cette vidéo. La première c'est un peu mon coup de gueule pour les fascicules, voilà déjà fait fille, voilà. Pour les fascicules de Fimo, vous avez vu ça fait un petit moment que je vous en parle plus. Parce que là, je crois qu'ils se fichent un peu du monde. Ils ont sorti soi-disant le numéro 18. Excusez-moi, je bouge la caméra parce que je vais la faire tomber. Voilà. Le numéro 18 le 20 décembre. Et il n'a été mis en kiosque nulle part. Ils ont sorti également le numéro 19. Il n'est pas en kiosque non plus, donc voilà, donc ça fait là on est de combien, le 8 janvier pardon, et on n'a toujours pas de fascicule en kiosque, et en plus ça devient de plus en plus nul les modèles qu'ils mettent dedans, donc moi j'ai décidé de ne plus les acheter. Voilà, parce que je trouve que ce qu'ils mettent dedans, ben, c'est bien pour les super débutants ou alors pour les enfants. Au prix où c'est vendu, vraiment, c'est un peu du foutage de gueule. Voilà. J'ai appris en allant sur leur page Facebook que je m'étais abonné hein, par internet. Et j'ai jamais reçu par internet, je n'ai jamais reçu les fascicules, donc je les ai toujours achetés en kiosque, donc j'ai jamais eu de nouvelles. Heureusement, ils ont pas débité mon compte, hein. Il manquait plus que ça. Mais c'est la même. Et j'ai su que ceux qui se sont abonnés par le site internet, à la date d'aujourd'hui, donc moi j'en suis. Arrête, Fifi! moi j'en suis au numéro 17 en les ayant achetés en kiosque, et ceux qui se sont abonnés par internet en sont seulement au numéro 7, donc vous voyez, c'est vraiment je sais pas, c'est du grand n'importe quoi. Donc moi j'ai décidé d'arrêter de les acheter. Ce sera 6 euros que je mettrai dans autre chose, enfin 5,99 €. Voilà, je mettrai ça dans autre chose. Et d'ailleurs, les fascicules que j'ai, je vais les offrir à ma petite fille qui s'est mise à la FIMO, puisque pour la Saint-Nicolas, je lui avais offert un kit, son tout premier kit de FIMO, et qui a l'air d'aimer ça. Et bah, tout le monde s'y est mis, son petit frère aussi s'est mis à la FIMO, ma belle-fille. La maman de ma belle-fille, tout le monde s'y est mis du coup. Donc je vais offrir les fascicules que j'ai déjà avec le classeur à ma petite fille. Et puis voilà. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule du matin. Et pour... Alors, Fifi, mets-toi là. Oh, embêtant. Soyons un peu plus joyeux. Mais allez. Mais elle est casse-pied ce matin. Allez, pousse-toi. Oh, allez, file. Aujourd'hui. Alors, hier, j'ai fait un essai de faire part hein, pour mon mariage. Hein, vous saviez, je vous avais prévenu que donc au mois d'avril, je me marie. Donc, j'ai commencé à faire un essai de faire part. Bon, je le trouve bien, mais j'en suis pas, je saute pas au plafond. Donc, je vais vous le montrer quand même. Donc voilà. Les copines sur Facebook le trouvent très joli. Donc voilà. Je vous montre de plus près. Donc ça, c'est le tampon que j'avais acheté à la Fourmi Créative. Donc j'ai fait en embossage, voilà, comme ça on le voit mieux, avec la poudre Easy Ink dorée.
Voilà. Donc sur un papier pollen en 210 grammes noir, voilà, avec des demi-perles de chez Action. En dessous, c'est le papier holographique doré d'Action. Voilà, donc coupé, c'est coupé à la Big Shot, hein. Ça, c'est le ruban Love Married d'Action. Mais bon, il n'existe qu'en rouge. Voilà, donc j'ai gaufré, enfin, j'ai embossé ma carte. Voilà, donc cette plaque d'embossage, je ne sais plus où je l'avais eue. Je ne sais plus si c'est Action ou. Donc voilà. Et là, j'avais fait avec ici, une découpe aussi à la Big Shot et j'avais écrit à la main. Mais bon, ça, j'aime pas du tout l'écriture à la main. Mais là, j'ai une amie qui a la silhouette et qui s'est gentiment. Qui va gentiment. Bon, fifille, non, allez. Oh. Qui va gentiment m'offrir une plaque de découpe de cœur fait avec l'écriture en doré de nos prénoms, donc pour m'y faire part, donc ce sera des cœurs et il y aura déjà l'écriture de fait avec nos prénoms. Voilà, donc ça ne restera pas. À la place, ce sera des cœurs. Donc je trouvais ça super gentil et. Donc, je la remercie encore beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ça. Voilà. Donc, voilà, ça, c'est le premier essai que j'ai fait. Bon, à l'intérieur, là, il n'y a encore rien, hein, bien sûr. Donc, ce matin, j'ai dit, bon, je vais refaire un deuxième essai. Mais, donc, moi, là, normalement, la couleur de base de mon mariage, ça va être le bleu, puisque le costume de mon futur sera bleu. Et donc je suis passée ce matin à Cultura et chez les audios et donc j'avais été pour acheter de l'encre et oui de l'encre mais en fin de compte bah, j'en ai pas pris parce que bah, j'en ai retrouvé, j'en ai encore. Et il me fallait aussi un stylo qui écrit doré. Donc voilà, le stylo, je l'ai trouvé. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, voyez. C'est un stylo doré, mais qui écrit pailleté. Voilà. Donc ça, quand on écrit, il va écrire pailleté. Donc c'est la marque, je ne sais pas. Mitsubishi Pencil Gold. Ah si, là voilà. Uniball Signo. Voilà. Donc gold. Et donc il est en pailleté. Alors si vous voulez les prix, je vais regarder si j'ai gardé l'étiquette. Ah mince, j'ai pas le ticket sur moi de Cultura. Mais ça, c'était dans les 2,50 € je crois, le stylo. Voilà. Et j'ai trouvé une planche de tampon. Voilà, sur le mariage. J'ai trouvé super belle. Donc, elle va me servir ben, du coup en même temps pour mon album de mariage. Et en même temps ben, pour mes faire-part. Donc, vous voyez, il y a. Bon, menu, je m'en servirai pas puisque je ne fais pas de menu, hein, puisque c'est un buffet, mais c'est rien. Il y a des cœurs, il y a Love Story, les mariés. Donc les mariés vont certainement me servir pour les faire part. Voilà, le plus beau jour de ma vie, de notre vie, pardon. Donc celui-là va me servir pour les faire part également. Après, il y a toi et moi, love, invitation. Voilà. Donc, invitation, il va me servir certainement pour l'enveloppe. Donc, j'ai trouvé vraiment très belle. Donc, c'est Toga.
qui fait ça. Et cette planche était à 10 euros, 10,90 €, je crois. Voilà. Et donc, pour faire l'intérieur des faire-part, puisque l'intérieur, je vais le faire sur une feuille à part. Vous savez, je vais faire une feuille pliée que je vais coller sur l'arête à l'intérieur. Donc, j'ai pris du papier pollen. Voilà. Hein, vous savez que j'aime le papier pollen. Donc, c'est du 120 grammes, donc, qui peut passer à l'imprimante, bien sûr. Donc, c'est un bleu ciel. Donc il y a un bleu encore plus clair, mais il était vraiment très très trop clair, beaucoup trop clair, donc je ne l'ai pas pris. Et donc c'est du Clairefontaine, hein, pollen Clairefontaine, bah, vous commencez à connaître. Donc celui-là c'est le bleu lavande. Voilà. Donc il y a 50 feuilles dedans, c'est du A4, 120 grammes. Et ça c'était 7,99 €. Voilà. Donc ça c'était chez Cultura, voilà. Et donc chez Zodio, par contre, alors j'ai eu un flash. Vous savez l'amour que j'ai pour les papillons dans mes créations. Et cette semaine, enfin hier, j'ai changé ma bannière sur mon Facebook. Sur le mur de mon Facebook, et j'ai remis la photo d'une des cartes que j'avais fait avec des papillons. Et une copine m'a dit tiens, ce serait une bonne idée ça pour tes faire-part. Et c'est vrai que mettre un papillon sur mon faire-part, bah, ce serait moi. Donc je pense mettre un papillon sur le faire-part. Donc on va voir. Et là, au lieu de mettre peut-être du doré comme j'ai fait ici, je vais mettre comme ça, voilà, du bleu pailleté. Voyez. Donc ça, c'est des feuilles 30-30. J'adore ces feuilles-là également. Bon, elles sont un peu chères à l'achat parce qu'elles font 2,50 €. Mais parce qu'elles sont autocollantes. Voilà. Donc là, il y a une feuille de protection derrière pour les coller. Donc elle passe à la Big Shot, hein, sans problème. Je vais découper mes ronds, je vais découper ce que j'ai à découper. Elle passe à la Big Shot sans problème. Donc voilà. Donc celle-là, alors, est-ce qu'il y a une référence? C'est le bleu azur. Voilà. Mais j'adore ces feuilles. Souvent, je les utilise en doré, du coup, ou en argenté. Mais là, du coup, je les ai pris en bleu. Donc, je pense que je vais découper sur chaque faire-part, peut-être, un papillon. Donc, que je vais directement coller, ou je vais voir comment je vais faire. Et je mettrai un papillon en relief. Donc là, j'en ai pris 4 hein, de feuilles pour être sûr d'en avoir assez. Et à Zodio, elle m'a dit que si j'utilisais pas toutes les feuilles, je pouvais ramener les feuilles que je n'avais pas utilisées et qui me remboursaient. Mais bon, de toute façon, je vais certainement, même s'il m'en reste, je pense les garder. Elles me serviront pour mon album photo que je ferai du mariage. Voilà. Puisqu'il y aura l'album photo de fée. On fera ensemble. Et donc j'ai pris ces feuilles là. Alors je sais pas si vous allez bien voir. C'est un peu en relief. Vous voyez, c'est des petits points. Voilà. Donc là, alors c'est écrit tout petit. Alors ça s'appelle la piscine. Voilà. Ça s'invente pas. Hein. Donc la marque c'est Basile. Et la couleur, ben, c'est piscine. Voilà, c'est fabriqué aux USA. Voilà. Donc pareil, j'en ai pris 4. Mais je verrai si j'ai besoin des 4 ou pas. Voilà, donc voilà ce que ça fait. Donc avec le papier pollen, vous voyez, ça suit quand même. Voilà. Donc ce sera bleu, 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 bleu. Et pour rester dans le ton bleu, j'ai pris du ruban, voilà, comme ceci, avec des cœurs.
Donc, soit que je referai comme ici, mettre en travers. Alors, je suis à l'envers, moi, alors. Là, comme ça. Ou alors dans l'autre sens. Je verrai. Je vais voir comment je vais faire. Donc, mais cela me plaisait bien. Donc, avec des petits cœurs. À la base, je voulais trouver un ruban avec des inscriptions dessus, sur le thème du mariage, mais j'ai pas trouvé. Il n'y en avait pas. Mais bon. C'est des cœurs, donc ça va. Donc, alors, je n'ai pas dit les prix là pour ça, le ruban. Ça, c'était 1,50 €. Voilà, donc, vous voyez, c'est pas énorme. Les feuilles brillantes, ouais, 2,50 €. Et les autres feuilles bleues, donc en relief, la piscine, c'était 70 centimes la feuille. Donc, vous voyez, c'était vraiment pas énorme. Voilà. Et j'ai repris un petit ruban bleu comme ça. Voilà. Qui me servira également certainement, mais bon, je ne sais pas pourquoi encore. Je verrai. Mais il me plaisait bien, donc je l'ai pris. Et lui était pas cher du tout non plus. Il y a 10 mètres. Ouais, 10 mètres pour 1,20 €. Et cela, il y a combien de mètres? 2 mètres. Là, il y a 2 mètres. Donc, c'est pour ça que j'en ai pris 2. Donc, voilà. Donc, je vais faire avec vous sur une autre vidéo les faire-part en bleu. Voilà. Et donc je pense que c'est les bleus hein, qui vont remporter. De toute façon, c'est moi qui choisis. Voilà. Qui donnera qui aura le dernier mot. Voilà. C'est pas mon chouchou, c'est moi. Puisque c'est moi qui l'ai fait. De toute façon, comme il me dit à chaque fois, c'est toi qui as le dernier mot. C'est toi qui fais, donc c'est toi qui choisis. Voilà. C'est pas beau, ça? Donc, je vais faire une vidéo. On va faire ensemble donc se faire part de A à Z. Donc, il n'y aura que la page du milieu en bleu. Bon, je ferai le pliage pour vous montrer comment je vais faire. Mais le texte final, vous ne le verrez que plus tard, puisque la date n'est pas encore confirmée par la mairie. Nous, on a demandé pour le 14 avril, mais j'attends la confirmation de la mairie pour la date. Voilà, puisque là, j'attends ma carte d'identité. Donc, normalement, on a rendez-vous mercredi. Donc, j'en saurai plus d'ici là. Donc, voilà, une petite vidéo. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Donc, là-bas. Les projets, donc un tuto pour le faire-part bleu. Il y aura par la suite un tuto pour l'album de mariage, donc qui lui aussi sera dans les tons bleus. Après, on m'a demandé aussi de faire un tuto avec la colle 3D de chez Action. Donc ça c'est prévu également. Qu'est-ce que j'ai encore à faire? Bon, je vais vous refaire des tutos quand même Fimo, hein, malgré que je n'achète plus les fascicules. Hein, mais bon, ça n'a rien à voir. Et puis voilà, bon. Puis de toute façon, comme d'habitude, hein, si vous avez envie de voir un tuto, vous me le marquez en commentaire sous la vidéo. Désolée, j'ai toujours du mal à parler. On m'a fait une extraction dedans. Ça s'est pas bien passé parce que là-dedans, quand on m'a fait l'extraction, la dent s'est cassée à la ras de la racine. Et ils ont mis plus d'une demi-heure à me tirer la racine. Mais alors, ils ont été comme ça, là, avec la meuleuse. Là. Oh, j'ai encore mal. Ça fait 15 jours. J'ai super mal. Donc, j'ai du mal à parler.
Et là, on finit pas mes soins dentaires. On va me faire la moitié de mes soins dentaires pour que je sois présentable pour mon mariage. Donc, on va me finir le haut pour que ben, j'ai des dents en haut. Puisque le haut, vous avez déjà vu hein, dans mes lives, mes dents d'en haut sont cassées. Donc, on va me faire tout le haut pour que ben, j'ai un joli sourire pour mon mariage quand même. Et après le mariage, ben, on finira le bas. Voilà. Après, j'espère que ce sera tout parce que j'en ai marre. Voilà. Ça y est, Fifi est calmée. Ah, mes mères. T'es calmée? Oui. Ah, ma mère. Ouais. Oh, ouais. Oh, t'es calmée. Et je ne vous ai pas montré son cadeau de Noël, je crois. Attendez, je vais vous montrer. Attendez, ça a bougé un petit peu. Mais alors, elle ne joue pas avec. Voilà, c'est ça. Le mini arbre à chat, là. Vous voyez là? Ça. Ben, elle ne joue pas du tout avec. Voilà, c'était son cadeau de Noël. Mais mademoiselle ne joue pas avec. Tant pis. Mademoiselle préfère faire ses griffes sur une vieille planche. Elle a jamais voulu faire ses griffes sur les rondins exprès sur les arbres à chat. Elle fait ses griffes sur une vieille planche en bois. Bon. Enfin, soit. Bon, allez, on va ranger tout ça. Je vais monter la vidéo, vous la mettre en ligne. Et, ah oui, si j'ai encore une vidéo à vous monter. Je dois vous montrer ben, toutes les jolies cartes. Et non, Fifi, les cartes que j'ai reçues donc pour Noël, Nouvel An. Donc ça, je vais vous faire ça demain. Et puis, je dois aussi vous faire la vidéo. De l'échange que j'ai fait avec Fée Bricoleuse. Donc là, je vais vous faire la vidéo de ce que moi je lui envoie. Fifi, s'il te plaît. Et quand j'aurai reçu le sien, qui va partir là, ici, bientôt, quand j'aurai reçu, je vous ferai la vidéo de ce qu'elle m'a envoyé également. Voilà. Allez, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous fais à tous d'énormes bisous. Je vous souhaite, pour ceux qui n'étaient pas là à la dernière vidéo, je vous souhaite à tous une très très bonne année, plein de bonnes choses à vous, plein de bonheur et une très bonne année aussi à toute votre famille. Voilà. Et on se retrouve très très rapidement pour de nouvelles aventures. À bientôt! Bye bye!